Sortez de mon bureau. Oh. S'il vous plaît. Sortez, monsieur. Je m'en dis que tu as le siège de mon caractère. Sortez. Merci. Merci beaucoup. C'est cette pièce de théâtre qui a servi de miroir pour ces élèves du lycée de la Révolution, appelés à adopter un comportement complaisant envers les personnes vivant avec le VIH-SIDA. Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, célébrée chaque 1er décembre à travers le monde. Ici, l'association Loi Tekombo donne des pistes à mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie. Pour que nous puissions espérer un avenir meilleur, il faudrait que nous puissions mettre l'information à la disposition des plus jeunes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA. Et aussi, quand vous regardez bien les statistiques d'après l'ONU-SIDA, la tranche d'âge la plus exposée face à ce fléau, c'est la tranche d'âge qui varie entre 14 et 24 ans. Voilà pourquoi le choix a été porté vers cette couche juvénile. L'ignorance étant un véritable danger pour la survie d'un être humain, ces élèves ont dit leur satisfaction. Non, je trouve que c'est une très bonne activité, vraiment c'est une très bonne initiative. Si on pouvait le faire à chaque fin du mois, ça serait très très bien. Parce que par exemple, moi j'ai été vraiment vraiment impressionnée par le théâtre, par le discours et par tout ce que j'ai pu apprendre du SIDA. Les gens qui sont atteints du SIDA, ce ne sont pas des gens qu'on doit se méfier d'eux. Ce sont des gens comme nous, nous devons s'approcher d'eux afin de les réconforter. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres établissements scolaires de Brazzaville, notamment dans les lycées Thomas Sankara et de la Réconciliation.